Salut les amis, comment ça va J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui il neige ici, hein, il caille. Hein Donc je vous fais cette petite vidéo parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé mon avis sur le viager. Qu'est-ce que je pense du viager Est-ce qu'il fallait commencer par un achat en viager Alors je vais vous dire ce que j'en pense, mais déjà il faut savoir qu'est-ce que le viager, qu'est-ce qu'est la définition du viager. Ensuite on va détailler, il y a deux types de viager. Il y en a un qui est un peu plus intéressant que l'autre. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous raconter une anecdote. Sur un de mes amis qui a acheté en viager, vous vous souvenez celui que je vous disais, là, le joueur de poker Il achetait en viager, aujourd'hui, ne lui, lui parlez plus de viager. Alors, qu'est-ce que le viager Le viager, tu sais que sur ma chaîne, on se dit la vérité, c'est en fait, t'achètes et tu mises ou attends la mort de quelqu'un. Donc, c'est un peu glauque, mais en gros, c'est ça. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Généralement, les gens qui vendent en viager, ce sont des gens, des personnes âgées qui n'ont pas d'héritier ou pas de famille. Ou alors certains qui ont des héritiers et de la famille, mais qui ont tellement une petite retraite qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Ils ont fait confiance à l'État pour leur retraite, etc. Et tu vois bien qu'ils se sont trompés. Donc, ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Ils auraient bien aimé léguer ce bien à leurs héritiers, mais comme ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et que leur héritier aussi est un peu dans la mouise, ils se disent bon, ben on va le vendre en viager. Le principe du viager, c'est quoi Ils le vendent à quelqu'un moins cher que le prix que ça vaut sur le marché. Mais c'est un pari sur la longévité de la personne qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que la dame va le vendre, elle a 70 ans, elle va te le vendre moitié prix, et tous les mois, tu dois lui donner une rente que vous avez vue ensemble, ce qu'on appelle une rente mensuelle, et, et cela jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est vrai que c'est un coup de poker. On ne va pas se mentir, c'est un coup de poker. C'est pour ça que je te dirais, de mon point de vue, il ne faut absolument pas commencer l'investissement par un investissement en viager. Donc il y a deux sortes de viager. Il y a le viager. Occupé. Comment ça se passe? Tata Jacqueline, elle a 70 ans, elle est en galère de thunes. Elle se dit tiens, mon appartement il vaut 300 000 euros. Je vais le vendre 150 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bouquet. Donc tu vas donner, tu vas donner un bouquet de 150 000 euros et ensuite vous allez établir ensemble une rente mensuelle. Donc disons 150 000 euros et 1000 euros mensuels. Donc, toi, à la base, tu te dis Ouais, super, j'ai fait une affaire. Je l'ai acheté 150 000. Je lui donne 1000 euros mensuels. Ça fait 12 000 euros par an. Imaginons qu'elle meure dans 5 ans. Ça m'aura coûté 60 000 euros plus les 150 000 euros. Ça m'aura coûté 210 000 euros. Un appart qui vaut 300 000 euros. Ouais, dans ce cas-là, ouais. Mais si elle ne meurt pas dans 5 ans, Et tu sais que c'est glauque quand même d'attendre la mort de quelqu'un. Alors après, ça se discute, hein. moi je suis ouvert à tout, hein. ça se discute. Euh, on peut voir ça de l'autre côté en disant ouais, mais on va aider quelqu'un à mieux vivre, c'est vrai aussi. Mais on ne va pas se mentir, faire les mythos, dans l'absolu, on attend la mort de quelqu'un. Donc il y a ce premier type de viager qu'on dit viager occupé. C'est un viager, comme je t'ai dit, où tu donnes un bouquet et ensuite tous les mois tu donnes une rente. Coup de poker. Tu peux faire une excellente affaire comme une très mauvaise affaire. Ensuite il y a le viager dit libre. Pour moi celui-là il est un petit peu plus intéressant que le premier, mais. Voilà, je ne conseillerais pas non plus. Le viager libre, comment ça se passe? Donc la même mamie Jacqueline son, qui veut vendre son appartement 300 000 euros, elle va te le vendre un peu plus cher, 200 000 euros au lieu des 150 000 euros occupés, avec une rente de 1500 euros par mois. Vu qu'elle te le laisse libre, la rente que tu dois donner chaque mois est plus importante. Par contre, il est libre. Donc toi, tu peux le louer. Tu auras la jouissance des loyers, mais derrière tu, tu devras lui donner ta rente. Alors. Pourquoi moi je ne te conseillerais pas de faire un viager pour commencer Parce que tout simplement tu vas te tirer une balle dans le pied. Tu vas commencer un investissement locatif tu vas expliquer au banquier que tu commences un investissement locatif où tu dois sortir tous les mois 750 euros de ta poche. Je dis une connerie on prend le cas de Mamie Jacqueline qui vend son appartement euh, à Nice, 300 000 euros tu vas lui donner un bouquet de 150 000 euros et une traite de 1 000 euros par mois. Le viager, il est occupé. Donc toi, tu vas acheter cet appartement 150 000 euros. Ça va te faire à peu près 1 000 euros de crédit, ou je ne sais pas, ou 750 si tu prends sur, sur 25 ans, je n'ai pas fait les calculs. Hein. Je te donne des chiffres comme ça. Plus tu vas lui devoir lui donner sa rente de 1 000 euros. Donc, au final, tu te tires une balle dans le pied parce que quand tu vas, re, quand tu vas vouloir refaire un investissement, le banquier va dire attendez. Vous donnez déjà 1 000 euros de crédit, plus vous donnez 1 000 euros de, de, de rente. Voilà. Donc il faut savoir que quand tu fais un viager, généralement, tu pourras pas te développer et recommencer. C'est ta stratégie, c'est un coup de poker. Il y en a qui l'ont fait. Je vais te raconter l'anecdote de mon pote qui l'a fait. Lui, c'est un grand joueur de poker. Il a essayé de le faire. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et dans l'histoire du village libre, c'est un peu préparé en fait. Même s'il est libre, tu vas devoir le louer. Tu vas donner une rente. Il te restera peut-être un petit bénéfice sur le montant du loyer pour payer taxes foncières, euh, les charges de copropriété, etc. Mais pour moi, si tu veux commencer par un viager, tous ceux qui m'ont demandé là s'il fallait commencer par un viager, mon conseil c'est non. Il faut savoir que dans le viager, c'est toi qui payes, c'est toi qui, qui, qui payes la taxe foncière, c'est toi qui payes les frais. La mamie qui est dedans, elle, elle ne paye plus rien jusqu'à la fin de sa vie, la pauvre. Elle a déjà trimé toute une vie, elle ne paye plus rien jusqu'à la fin de sa vie. En fait, elle te remplace par l'État. Elle a cru en l'État qui ne s'est pas occupé d'elle. Aujourd'hui, pour elle, tu es son ange gardien. Tu viens, achètes, elle accepte de te faire un prix, mais. Tu t'occupes d'elle. Elle, elle veut plus payer, elle a plus rien à payer, elle estime qu'elle a assez payé et elle vit de la rente que tu lui donnes. Il faut savoir aussi très important que ce soit un viager libre ou viager occupé. Si tu ne payes pas ta rente mensuellement, que tu arrêtes de la payer, tout ce que tu as versé avant, c'est perdu. C'est fini. C'est un contrat entre le notaire, elle et toi. Tu t'engages à payer. Si tu ne payes pas, c'est fini. L'accord est caduque. Mamie a récupéré son bien. Tout bénéfice. Donc voilà pourquoi moi, mon conseil, je te conseille absolument pas de commencer par un viager. Il y a d'autres façons d'investir bien meilleures et beaucoup plus rentables. Comme je te l'ai dit, le viager, c'est le coup de poker. C'est un peu comme la bourse. Tu peux acheter, deux ans après, mamie décède, malheureusement, jackpot pour toi. L'appartement qui vaut 300 000, il te revient à 170 000. Tu viens de prendre 140 000 euros de plus-value. Par contre, moi, on me demande si moi, j'ai acheté du viager. Non. Moi, je me connais. Je suis franc. Je ne vais pas faire le mytho. Sur ma chaîne, tu sais qu'on se dit tout. Je me connais, je te l'ai déjà dit, je fais de l'investissement locatif pour être zen, pour être serein, pour pouvoir bouger en vacances, pour être tranquille, pas pour me prendre la tête. Je vais faire un viager, je me connais. Ok, mamie, ça va, clac, ouais, tout va bien et tout. Bon, je vais commencer à payer. Deux ans, trois ans, quatre ans, je vais commencer à me manger les ongles. Cinq ans, 6 ans, là encore là, je vais commencer à me gratter la tête. Euh, dix ans, je vais passer, à va être sur sa terrasse en train de boire rater, faire des tractions. Je vais m'imaginer en train de la tamponner avec un Smart Brabus. Tu vois ce que je veux dire Donc tu vas dire, je suis un ouf, on rigole. Mais je te dis sur ma chaîne on va rigoler, mais faut se dire la vérité. Je vais commencer à me faire des scènes de fou, à m'imaginer, et du coup j'ai pas envie. J'ai pas envie de commencer à me dire ouais là l'investissement que je suis en train de faire, je vois qu'il est en train de s'alerter, qu'il est en train de tomber dans le rouge. J'ai pas envie. j'aime bien tout anticiper, j'aime bien savoir où je vais. Je prends que des investissements où je sais où je vais, où j'arrive à maîtriser quasiment tout, jusqu'à la fiscalité, jusqu'aux travaux. Même si tu ne pourras jamais tout contrôler, euh, moi-même j'ai toujours. Par exemple, quand je fais des travaux, il y a toujours une enveloppe en surplus. Euh, il y a toujours des choses qui ne se passent pas totalement comme prévu. Mais disons que j'essaie de contrôler 80% du projet. Alors, si tu veux vraiment le faire, tu vois, moi, j'ai un ami à moi, si tu te souviens, celui que je t'avais dit qui joue au poker, qui l'a fait. Je me rappelle de ça et je rigole et je vais te dire pourquoi. Je crois que c'était il y a 8 ans ou 9 ans. Monsieur, il avait vu un reportage, je crois que c'était sur Capital ou sur France 2, envoyé spécial. Je ne sais plus. Et justement sur les viagers. Il m'appelle, ouais, me dit ça va et tout. Il me dit t'as vu le reportage sur les viagers Je lui dis ouais j'ai vu. Il me dit mais t'as vu c'est de la bombe. Euh, ça vraiment c'est le turfu machin. Voilà. Le mec il démarre. Je lui dis attention. Je t'explique le viager. C'est pas comme ça que ça se passe. Faut pas croire. Tu mises sur la mort de quelqu'un. C'est un peu glauque. C'est soit le meurtre et tu gagnes beaucoup d'argent, soit c'est Jeanne calmant et ton investissement il se transforme en cauchemar. Il me dit, mais non, t'as rien compris, tu connais rien. Bon, comme d'hab, on a tous un pote comme ça. Faites pas les mythos. On a tous un pote comme ça qui connaît tout, qui machin, qui voilà. Donc il m'a dit, tu connais rien, etc., etc. Donc je vais avec lui. Son viager, il l'a acheté à Fréjus, à côté de Saint-Tropez, parce que lui, euh, il va tout le temps en vacances là-bas. Et donc il a acheté un viager vu sur la mer, etc. À la base, c'était une bonne affaire. Euh, la mamie, elle avait 71 ans. Je lui dis, attention. Euh, L'expérience de vie pour une femme, c'est 85-90. Il me dit « Non, je me suis renseigné un peu dans le voisinage et tout, elle est un peu malade, etc. Je ne souhaite pas la mort, mais voilà. » Il me dit « Moi, tu me connais, euh, j'ai de la chance, euh, tu as vu au casino, euh, machin, quand je joue au poker, gros mito euh, À chaque fois qu'on qu me sert, j'ai un carré d'as. » Ouais, OK, à chaque fois qu'on te sert, tu un carré d'as. Ouais. Et bien, bah, aujourd'hui, ça fait bah, 8-9 ans. Elle a 80 ans maintenant, la dame. Elle a toute la pêche d'enfer. Euh, elle va super bien. Euh, son appartement toujours ensoleillé, elle a trop la patate et il lui donne 1000 euros par mois. Aujourd'hui, encore deux ans, et son investissement, il est plus rentable, c'est une catastrophe. Il est comme un dingue. Donc effectivement, on en rigole, mais... Voilà. Il a fait qu'un investissement, c'est celui-là. Il veut plus entendre parler d'immobilier. Pourquoi? Il ne m'a pas écouté. Monsieur, il connaît tout. Monsieur, ceci. Voilà. Enfin, ça, c'était une petite anecdote. Tu sais que sur ma chaîne, on rigole. Donc voilà. C'était mon avis sur le viager. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur le viager. Pour terminer, je ne te conseille pas pour commencer. Je ne te conseille pas le viager parce que, voilà, fais de l'immobilier pour être tranquille, pour être zen, pour être serein, pour savoir où tu vas. Et commencer par un viager où tu vas miser sur la mort de quelqu'un, où tu vas commencer à t'endetter et à faire un gros effort personnel de ta poche chaque mois, en n'étant pas sûr que de l'autre côté, la personne, euh, elle parte dans deux ans, c'est le meilleur moyen de te tirer une balle dans le pied. Demain, tu t'es fait un patrimoine de 20, 25 appartes, tu as de la trésorerie, tu n'as plus forcément envie d'acheter dans le locatif, tu as envie de faire un bon coup. Parce que, attention, les viagers, c'est vrai que tu peux faire un bon coup, Saint-Tropez, Neuilly-sur-Seine, dans des grosses villes comme ça, c'est 50% le bouquet, 50% du prix. Hein. Donc, effectivement, c'est un vrai coup de poker. Mais je pense que le viager, c'est pour les joueurs. Si demain, tu as 20, 25 à part et que tu veux le faire, fais-le. C'est pas ça qui va te. Voilà, tu attendras et au pire, si ça continue, la personne, elle vit plus longtemps que prévu. De toute façon, ce que tu donnes, tu viens l'imputer à ton bénéfice annuel. Donc finalement, ce que tu jettes, tu viens le ramener en charge. Donc tu récupères quand même. Mais fais ça quand tu as déjà fait un solide socle. Ne fais pas ça pour commencer. Vous m'avez demandé si vous pouvez commencer par le viager. Ne faites surtout pas ça. Voilà, donc c'était une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Vivement que j'aille en vacances. Inès, j'en peux plus, je suis comme un ouf. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, des bons investissements. Posez-moi des questions en commentaire, continuez à me donner de la force. Je vous dis à bientôt. Ciao